regardez où abdomi, où est mouche autour de vous, c'est un vieux rêve lié. Esprit guêpe, esprit taureau, esprit chien. Réalité et vérité qui gagne un rêve ou feu. Qui conséquence positive ou négative rêve ou feu qui gagne sous famille ou environnement? Comment on peut connaître laisser voir bon Dieu qui parle à vous pendant que vous dormez? L'oribé, taureau bœuf, de ses miel, chien, mouche, d'enraché, rat, ou bien dans l'eau sale, ou bien dans l'eau propre, la main. Qui signification ça y a gagné exactement? Comment on peut être ou pral malade ou pral gen problème dans dormi? Ak Bishop Grégory Toussaint dans émission ça, mesdames et messieurs, nous pral apprendre en pile bagay. Chose surnaturelle, chose traditionnelle. Et bien aimé Bishop Lan, essayez de décortiquer en pile là-dedans. Mesdames, messieurs, mes compatriotes haïtiens, très chers, fidèles et abonnés de la Vision en Action, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Bienvenue sous Vision en Action. Vision en Action, une plateforme créée pour donner matière à la pensée. Pour aider à comprendre ce qu'a fait, ce qu'a passé, ce qu'a dit dans la société haïtienne. Comment bon Dieu parle avec l'homme? Ces questions, en pile moun a posé, là autant de prophètes l'a dit, bon Dieu te vin parler avec yo. Autant de voix, bon Dieu. Autant de pasteurs là, prédicateurs là, dame missionnaire, évangéliste là, dit bon Dieu te parle avec yo pendant yo t'a dormi. À 95%, Dieu parle avec l'homme dans dormi, dans rêve, dans songe. Dans la révélation et dans la vision. Des gens qui ont don. Premier côté qui mentionné dans la Bible, bon Dieu te parle à qui yon moun dans le rêve pendant le tap dormi, c'est dans Genèse chapitre 20, verset 3. Le bon Dieu te annoncé à Abimelech, li pral mouri parce que te commet adultère, li te couché avec une femme qui te déjà mariée. Après bon Dieu te fin paraître devant Abimelech nan dormi pou te annoncer le zak ta pral rive, Joseph te wè bon Dieu nan dormi ki te vin bal des indications. Prophète Samuel pendant le te ti moun kay prophète Eli, li te wè bon Dieu ki t'a prele. Salomon, l'homme ki pi riche ki te passé sous terre et jusqu'à présent, pa gen aucun moun ka viv sous terre ki dépassé prophète Salomon en richesse. En sagesse, c'était un rêve. Bon Dieu t'a bien fait toute promesse ça yo et yo t'a tourné réalité suivant ça yo rapporté nous. Marie, maman Jésus, t'a wel enceinte pendant le temps dormi dans un rêve. Et rêve ça t'a tourné réalité. Li t'a bailli yon petit garçon qui t'a relé Jésus sauveur monde là en dépit toute prophétie qui te gétan fait sous question ça sous Jésus-Christ qui t'a vinn mourir pour péché l'humanité. Je dis à pour un pile monde croyant ou non croyant, rêve c'est une réalité qui dévoile en pile vérité. Comme ça pour un pile l'autre, même pour grand philosophe, psychanalyste Sigmund Freud, rêve c'est fruit imagination. Suivant besoin et nécessité, selon ça ou ta pensée, projet ou t'es déjà gagné. C'est comme ça exactement, philosophie. Ak en pile moun ki pa kwè nan question yore li rêve la. Ki différence ki gagne entre rêve, songe, révélation ak vision? Yo di songe ak rêve, c'est presque même bagay la. Mais yon gen nyans ki fè yon diferan, yon ti kal. Révélation ak rêve, c'est même fami yon. Mais nan yon sens ki laj, révélation différentielle ak rêve nan plusieurs définitions, nan plusieurs facettes. Ça nou pa kal gen tan décortiquer pour vous nan émission ça. Bishop Grégory Toussaint, le seigneur de la mission Église Shekinah International,
définit rêve comme manifestation puissance surnaturelle de Dieu. Et divin pontife là détaillé comment repousser avec la prière, avec l'autre pratique naturelle, l'en trouver dans une série de combats spirituels, soit pendant un abdormi ou un j'éclair, comment exactement pour nous combattre, pour nous repousser. Ça, mesdames et messieurs, nous invitons à apprendre ensemble avec nous. Au plaisir, Bishop Grégory Toussaint. Comment vous êtes capable de faire face avec le combat spirituel que vous menez dans le dormi? Gayon fwa ke m t'ap ansegnye, mwen te di sa, chak tan ou bral domi, ou beswen konsidere ke wap monte sou yon teren de batay. Chak tan bral domi, ou beswen konen wap monte sou yon teren de batay. Pendan ke kor ap repose, an pil fwa espri ou ap mene gro batay spirituel. Bataille qu'on gagne dans dormi, ou à vin gagne dans j'éclair. Mais bataille qu'on perdu dans dormi tout, si ou pas gata annulé, ou capable perdu dans j'éclair. Parce que ça qui fait dans dormi, manifesté dans j'éclair. Salomon t'a dormi, et puis pendant l'abdormi, lui, ouais, bon Dieu paraît devant. Il dit Salomon qui sauve-le. Ma baou. Et Salomon dit Seigneur, moi pas besoin, moi jeune, moi besoin sagesse pour me diriger peuple. Et l'Éternel dit plus qu'on pas mandé l'argent, pas mandé richesse, ou pas mandé la célébrité, et bien il dit qu'on ça m'a bonne sagesse avec toute l'autre bagaille. OK. Mais révérend pasteur au bishop Grégory Toussaint, on parler d'or et on parler de croyance, rêve, c'est yon, nous qu'a dit yon tas de croyances liées. Ça parle de bonne, de religion, de pratique ou, bien entendu, de pratique spirituelle ou, comment exactement, de façon unique, yon moun kapone, c'est voix bon Dieu, c'est yon appel bon Dieu, li jwenn nan dormi. Exactement. Là, peut-être, li kapi difficile encore, hein, si moun nan pa croyant. L'Éternel dit monsieur nan dormi, ma baou la sagesse. Le monsieur levé nan demain matin, gagne deux femmes qui te prostituées, qui nan même nuit la tout, qui t'a dormi. Et puis, yon nan prostituée yon roule sous petit palal touyel. Et puis il prend parle et puis qu'on y a l'autre à lever, il dit ça c'est pas petite femme non. Il dit oui c'est petite femme là. Et puis qu'on boumé qui pété entre eux. Et puis qu'on y a yal devant wa pour wa juger posé ya. Pour situer ça dit c'est petite vivant, c'est petite moins. L'autre a dit c'est petite moins, l'autre a dit c'est petite moins. Salomon a demandé qui ça pour me faire là. Puisque pas gagné témoin pour nous connaître qui est ce qui vrai petite là. Eh bien, monsieur Campbell dit, eh bien, après sous le problème, non. Brire l'on soldat, il dit, pour l'aider pour moi. Eh bien, il dit, pour ça, puisque je ne vais pas décider qui est-ce qui, maman petite là, m'a divisé l'un de ma panou chacun bout. Eh bien, là, il dit ça, Gayoun qui dit, non, pas fait ça, ou me fait l'autre cadeau, ou me fait l'autre cadeau. Ah, il dit, madame, vine pour petit tout, parce que c'est vous vraiment maman. Est-ce que vous entendez ça, ma bien, hein? Il dit, c'est vous vraiment maman. Moun qui voulait laisser petite là aller pour le vivre, c'est lui vraiment maman. Eh bien, ça me dit sagesse et la Bible dit le Salomon rend jugement ça. Depuis tout le monde de jugement Salomon rend, la Bible dit Israël t'es étonné de sagesse que Salomon t'a gagné. Ça me dit sagesse, bon Dieu, bral, non, bon Dieu t'es bali non, dormant, li manifesté dans j'éclair, il rete avec monsieur pour toute résumé. Gars qu'on recevra dans dormi, l'autre pour le manifester dans j'éclair. Est-ce que l'église commence à me dire là? Pas penser que rêve sont-ils bagailles consaliés?
pas penser que rêve son bagage à la légère, pas penser que rêve son bagage simplement psychologique lié. Rêve capable de réalité très spirituelle derrière, des en pile rencontre spirituelle qui capable fait dans rêve. Donc à travers rêve ou capable faire des rencontres avec Dieu. Salomon te fait rencontre avec bon Dieu. Joseph t'est rencontré avec ange dans rêve. Marie, etc. Et tant d'autres personnes rencontrées avec des anges dans des rêves. Ou capable de rencontrer avec bon Dieu dans des rêves, ange dans des rêves, mais malheureusement des puissances démoniaques tout qu'on a rencontré dans rêve. Et enseignement ça, livre ça, m'écrit parce que vous connaissez pile monde qui fait face à puissance démoniaque dans rêve pour connaître qui ça y est et comment on fait face avec eux. Un type de mauvais rêve, cauchemar, monde souvent fait. C'est souvent yo gade yo wè y a goumen avec animaux. Si mais gagnent yon série moun dans l'église pour nous bâtir l'église évangélique yo qui pas enseigner chrétien yo comment yo fait différence entre spirituel et religion. Yo pas essayé faire démarcation pour moun yo qui est yon moun spirituel et qui est religieux. Est-ce que vraiment question rêve là li c'est parti spirituel que yon moun ka kembe li pa gen question de religion, n'importe moun ka spirituel, spiritualiste, mais tout moun pa obligé religieux. Comment en fait pour nous enseigner moun yo la spiritualité que bon Dieu pam nan li pa forcément bon Dieu parle croyance pam nan li pa forcément croyance parle. Nous tout des conceptionnons de spiritualité pa nous et après moun yo li la Bible, après moun yo comprendre la Bible, ça te kon fait longtemps yo. Nous ka ramené yo en nous-mêmes attirer énergie ça yo sous nous, contextualiser ça que qu'on fait yo dans temps présent juste pour nous rentrer dans la spiritualité parce que moun Salomon, Joseph, c'est pas des simples choses qu'on ça yo qu'on rete bon Dieu te qu'on vienne parler avec yo. Yo gen quelques bagages yo te qu'on fait. Mais je dis ki ça mérite faire en plus. Est-ce que c'est seulement à l'église et chaque dimanche, est-ce que c'est faire jeûne, c'est mettre à jeûne, nous prier, c'est danser, jouer musique, seulement ça? Est-ce que pas l'autre bagaille nous doit faire dans l'esprit, nous dans fort intérieur, nous dans subconscient nous quand même pour que nous joignent ça n'a cherché à exactement. Mal n'a dormi. Yo gade yo wè a goumen avec bête n'a dormi. Yo gade yo wè a goumen avec serpent. Tout à l'heure, on parle de différents types d'animal. Qui ça yo signifie? Lò wè yo vin attaque n'a dormi. Mais gen moun ki goumen avec différents types d'animal n'a dormi. C'est yon bagay qui assez commun. Animal ça yo lò wè a goumen avec yo. Animal ça yo c'est pas cet animal yo yé. Mais c'est pas animal normal que yo yé. Ni c'est pas simplement imagination que yo yé. Mais l'organe ou aboumé avec bête n'a dormi, ou aboumé avec bête, ou aboumé avec animal n'a dormi, eh bien, animal, ça, ce sont des esprits que vous avez, mais esprits qui manifestent sous forme bête. Donc, par exemple, l'or, par exemple, la Bible a parlé dans Psaume 91, verset 6, il dit ténèbres, ni la contagion, li qui frappe en plein midi. Et puis, plus loin, dans le verset 13, l'Ibral dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique. Et puis, il dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. L'Éternel a dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est pas lion normal que la palée. C'est pas aspic normal la palée. Mais ce sont des puissances démoniaques. Donc Jésus-Christ va le camper plus tard. Il va le dire dans Luc chapitre 19. Jésus va le dire, je vous ai donné le pouvoir. Il dit de marcher sur les serpents, attendez, oui, sur les serpents et les scorpions, en cas qu'on
qu'on pas comprendre qui ça serpent yé, en cas qu'on pas comprendre qui ça scorpion yé, rajoutez, il dit sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire serpent avec scorpion ça, ça y est. C'est la manifestation de la puissance de l'ennemi. Est-ce que l'église commence à dire là? Ça veut dire être puissance ennemie qui a manifesté comme serpent. Puissance ennemie qui a manifesté comme scorpion. Donc, dès qu'il y a des bagages qui c'est pour un petit bagage comme ça, lié. Son esprit qui manifestait sous forme ça. Donc, quelques d'autres exemples. Alors, il y a plusieurs, un pile de détails, même je ne vais pas entrer dans tout le détail. Avec, dans les Apocalypse chapitre 16, versets 13 et 14, vous allez remarquer que il y a un esprit qui manifestait sous forme et qui manifestait sous forme bête. Alright? Apocalypse chapitre 16, on nous lit versets 13 et 14. On nous lit ensemble. Qui ça le dit? Il dit, je vis sortir de la bouche du dragon, et puis il dit de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Toi qui ça? Toi? Toi qui ça? Toi qui ça? Toi esprit impur. Et puis il dit, qui ça esprit au semblé? Ils ont été semblables à des. Vous c'est qui ça? Ah, il dit, moi, toi, esprit et bulle, mais l'herbe sorti, il ont semblé trois crapauds. Ça veut dire, moi, esprit démoniaque qui a manifesté sous forme crapaud, il a manifesté sous forme serpent, il a manifesté sous forme scorpion. Et puis, regardez qui ça le dit, plus loin, il dit, l'herbe dit semblable à des gounous, et puis, regardez qui ça le dit. Next part, il dit, ce sont des esprits qui ça, de démons. Et puis il dit qu'il fait prodige, hein? Et puis qu'ils vont vers les rois de la terre. La Bible dit qu'on ça, esprit ça, c'est esprit de démon. Mais comment ils ont manifesté sous forme crapaud. Donc ça veut dire, l'homme a dormi dans la nuit. Regardez-le, des problèmes. Regardez-le, la gomme avec crapaud, la gomme avec chat, la gomme avec rat, la gomme avec serpent, la gomme avec tout le monde. Ce n'est pas juste des animaux que lui. Ce sont des esprits que lui. Et chaque forme, chaque type d'esprit, chaque qualité d'esprit, dépend de mission des mots, hein, la prendre forme différente. Est-ce que l'église a dit ça, Mathieu, là? Très bien, Bishop Grégory Toussaint. Nous pensons que vous êtes très explicite dans sa radio et vous êtes très didactique tout dans l'explication. Mais qu'on y est là, et pour les gens qui ont l'autre tendance, qui ont l'autre croyance, qui ont l'autre définition. Chaque esprit dépend de qui mission esprit infernal ça a gagné. Libre prend une forme différente. Donc, bon, quelques exemples de différentes formes que l'esprit capable de prendre. Vous comprenez et qui ça signifie. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont dormi et puis ils ont gardé des entouré yo. Yo gade yo gep entouré yo. Ou bien yo gade yo gep yo miel entouré yo. Sorti pour morder yo. Qui ça signifie? Qui ça signifie? Gardez dans Deutéronome chapitre 1er verset 44. Li parle nous de un peu de signification ça. On nous lit. Il dit comme ça, alors les Amoréens qui habitent cette montagne, il dit sortir à votre rencontre et puis il dit comme ça et vous poursuivre comme l'Éternel Moïse là qui a parlé avec Israël, l'a parlé les Cananéens, les armées cananéennes n'ont pas attaqué Israël. Il dit comme ça, je te poursuivre vous tant que vous valez guêpe, je te poursuivre tant qu'on valez miel, je te poursuivre vous comme des abeilles. Donc en réalité, mais l'un dit abeille là, qui ça abeille là te représente, il te représente l'armée qui t'a couru derrière Israël. Est-ce que l'église allait ça m'a dit là? Est-ce que l'église comprend ça m'a dit là? C'est ça fait. Donc abeille, l'on a donc un paquet abeille qui campe contre vous. L'on a donc un bon paquet de guêpes, on dorme dans la nuit et vous êtes entouré de guêpes. Ça veut dire gros l'armée démoniaque que l'ennemi a mis derrière. C'est ça que fait David a dit dans le psaume 118. Il dit, elle m'environnait. Est-ce qu'on a bien? Elle m'environnait comme des abeilles. Et puis il dit qu'il ça, mais elle s'éteint comme un feu d'épine. Il dit, elle m'environnait comme des abeilles. Mais elle dit, au nom de l'Éternel, je les taille. Pendant ce temps, pour l'autre dénomination,
oh, pour l'autre croyance, l'autre tendance religieuse, yo, Abel gagne bien fait li. Li gagne côté bon, li gagne côté mauvais. Ça va dépendre de façon ou elle. Est-ce que c'est une seule définition nous ka kimbe pour li des choses mauvaises ou sinon nous ka considérer le tout dépendamment de déclarer depuis ces armées démoniaques et bien la guerre d'ailleurs tant qu'on n'y jette c'est pour tailler en pièces sous ta consentie gloire. L'organe est miel autour de vous. L'organe est guêpe environnée. Ça veut dire ennemi en détaché. Ce n'est pas une graine démon. Ce n'est pas une graine baka. Ce n'est pas une graine esprit infernal. Ça veut dire son larme que l'a guêpe derrière. Et quand vous connaissez vos bagailles, abeille, une bagaille que vous gagnez, une bagaille que vous gagnez, vous organisez. Vous gagnez une reine. Vous gagnez un monde qui a dirigé. Vous gagnez un monde qui a fait commande. Et puis l'autre a dit pas avancer. Et pour garder tout avancer. Ça veut dire l'autre. Comme vous regardez, on paquet abeille environné, guêpe environné, ça veut dire ennemi en l'armée, ils ont l'armée derrière. Mais pas seulement ils ont l'armée, ça veut dire son l'armée démoniaque, mais ils ont l'armée démoniaque qui est bien organisée. Ça veut dire côté OEA, il a fonctionné en réseau, l'une contre l'autre, il y a une New York, l'autre Miami, l'autre Haïti, il y a une travail, l'autre famille, et puis tout a coordonné, l'une à l'autre. Il y a un walkie-talkie spirituel, il y a un WhatsApp spirituel. Et puis il a envoyé un message pour voir comment il t'a bloqué, comment il t'a barré, comment on va t'arriver. Mais parole l'a dit au nom de l'Éternel, je les parle. Aïe, aïe, aïe. Levez mon dit gloire. Regardez, pendant ma prêcher, ma prononcer tout, pendant ma prononcer pré-prêcher, ma relâcher des paroles prophétiques. Au nom de Jésus de Nazareth, moi dis au nom de Jésus, pendant 40 jours, toute l'armée qui campe contre vous, c'est pour tailler en pièce. Moi dis toute l'armée qui campe contre finance, c'est pour tailler en pièce. Toute l'armée qui campe contre avant-vent, c'est pour tailler en pièce. Toute l'armée tout pas privé, c'est pour tailler en pièce. Sous d'accord, ça dit gloire. Regardez, l'on commence à faire des rêves, l'on commence à faire des rêves comme ça. Et pour avoir capacité pour interpréter, ça veut dire intelligence spirituelle. Ça veut dire, pour que l'on dormi, pour garder dormi, et pour ouais, pour garder ouais, guêpe entouré, et pour miel entouré, ou marcher, et puis guêpe à courir d'ailleurs, on compagnie guêpe, on la met guêpe à courir d'ailleurs. Ça veut dire déjà qu'on est sous tes trois, ou t'es passé trois mois pas de jeûner, c'est pour aller chercher trois jours jeûne, pour aller mettre devant mon Dieu. Sous tes négligents dans la vie de prière, ou quand t'as rangé quoi, papa, parce que le ciel, quand t'as bon révélation, il faut qu'on ait que ennemi, à peine détaché, yon armé contre vous. Dès quelque bagage, lors d'intelligence spirituelle, ou pas prendre mauvais coup, lors d'intelligence spirituelle, diable pas fait tapis en dessous, lors d'intelligence spirituelle, ou pas prendre surprise, parce que les bon Dieu parler, ou comprendre, et ou connaît comment vous positionner. Là, Bishop l'a touché un point qui est crucial. Et pourtant, même cuisant pour moun qui dit yo c'est chrétien yo c'est religieux yo pendant yo pas jambe spirituel. Bishop l'a parlé de intelligence spirituelle. La question c'est comment gagner intelligence spirituelle. Qui côté nous ka joindre intelligence spirituelle là. Est-ce que c'est tout chrétien qui gagne intelligence spirituelle? Qui secret, qui mystère pour nous fouiller, pour nous gagner intelligence spirituelle là? Est-ce que c'est dans la parole, dans lire la Bible, n'a gagner? Est-ce que c'est dans faire jeûne 6 pour 6, 40 jours, n'a gagner? Est-ce que c'est non faire des offrandes n'a gagné exactement intelligence spirituelle là ou sinon c'est non persévérance quand même non chercher comprendre qui sens bon Dieu a bien pour nous comment exactement utiliser bon Dieu pas non par rapport à situation pas non à circonstance pas non. Est-ce que c'est connaissance de la parole, lire la Bible, pour ne pas gagner ni, ou c'est une dimension
seulement bon Dieu qui bail li comment joindre intelligence spirituelle là non mais bon Dieu pour pas gagner la victoire sous d'accord ça dit yes. La capacité d'interpréter les rêves, la capacité d'interpréter les songes, la capacité d'interpréter les visions, lui fait partie de ça où elle est intelligence spirituelle. Ça c'est pas intelligence naturelle. Joseph t'a gagné intelligence spirituelle ça. Nous songez, les Joseph t'es dans prison car Potiphar, les Potiphar t'es bailli. Joseph doit sous tout ça li posséder sauf madame ni et puis pour Joseph pour madame Potiphar vin di Potiphar Joseph tentait convoiter Joseph te jeté dans prison li même avec deux autres Potiphar pharaon te fait un rêve pas de seigneur non en pi Potiphar qui te ka expliquer rêve ça. Et Joseph Bini lui explique que Joseph t'est levé au rang premier ministre. Avec explication aux intelligences spirituelles, ça, selon Bishop Grégory Toussaint, tout chrétien t'a supposé gagner, ou quelque juste t'a supposé gagner, suivant grâce bon Dieu. Ça, c'est intelligence spirituelle. Est-ce que l'église soit mathématique? Et pour garder, ou gagner, lors du niveau d'intelligence, ça, ou gagner, ouais, moun, qui gagner, ouais, plus intelligent, plus éduqué, gagner plus connexion, parce qu'on apprend gros coup, et puis ou même chaque coup, prend, et vous coulez. Parce que pendant que t'as dormi, bon Dieu, t'es ton bagage. Pendant que t'as proposé, t'es révélé en bagage. Pendant que t'es en vision, t'es montré en bagage. Et puis ou t'es comprendre, ou t'es agi. Déclaré pendant 40 jours, ça, bon Dieu, pour intelligence spirituelle. Gen quelquefois, gen moun k ap dormi ki wè kèp. Gen moun k ap dormi ki wè gros taureau bœuf. Vin atake yo, ça important. Gen moun k ap dormi ki wè gros taureau bœuf k ap vin atake yo. Lò gade ou nan dormi ou atake, ou ap goumen avec yon taureau, yon taureau. Ki sa taureau a signifi? Gade nan Amos chapitre 4 verset 1er. Amos chapitre 4 verset 1er. Li di ki sa? Écoutez cette parole. Génisse de Bazan. Anglais a dit Cows of Bashan. Ok, génisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie. Et puis, regardez qui ça dit. Il dit vous qui opprimez les misérables et qui attaquez. Et puis, il dit qui écrasez les indigents. Génisse là, c'est femelle, taureau. Donc, regardez qui ça le dit. Il dit comme ça, où c'est ou opprimé et ou écrasé. Maintenant, l'homme a pensé avec un taureau. Qui sont pensés? Qui sont pensés? Un taureau. L'homme pense à taureau, sont pensés? Ah. L'homme pense à taureau ou pense avec force. Donc, ça veut dire, l'homme a dormi où est un taureau a bien attaqué. Ça veut dire, diable a voyé plusieurs petits sergents déjà. Vous voyez plusieurs petits soldats déjà qui pas bal résultat. Là, ça veut dire, il déplacer un baga qui est force. Il déplacer un baga qui est en haut niveau. Il déplacer un baga qui est créé. Il déplace un baga qui est opprimé. L'homme a dormi ou a boum avec un taureau. Ça veut dire que ce n'est pas avec un boum avec un taureau. Ça veut dire que c'est pour un petit démon normal ou a boumé avec une principauté. Ou a boumé avec une autorité. Ou a boumé avec un diable. Un baga de haut niveau. Mais ça me remet avec Jésus. Quel que soit le niveau que le gagne. Est-ce qu'on a aimé? La Bible dit qu'on s'alimente nous chita en Christ. Au-dessus de toute principauté. Au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Moi déclarer quel que soit ton haut qu'a attaqué ou taille en pièce. Je dis quel que soit ton haut qu'a attaqué ou taille en pièce. Quel que soit principauté qu'a attaqué ou taille en pièce. Quel que soit autorité qu'a attaqué ou taille en pièce. Yes. Ça veut dire l'on a dormi ou garde ou a boumé avec ton haut. Ça veut dire qu'on comprend que lutte là, il prend l'autre niveau. Ça veut dire Tibaka, il te voyait avant, il n'y a pas de résultat. Qu'on y a eu chercher quelques colonels, quelques gens qui sont au haut niveau.
Donc, il y a des gens qui ont dormi, qui rêvent, il y a des gens qui rêvent tout haut. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui ont dormi tout, qui rêvent chien. Chien qui autour de lui. Chien qui autour de lui. Chien qui a dit Michel. Chien qui a couru derrière, etc. Lorsque vous avez dormi, vous avez dit chien a dit Michel. Chien a dit autour de vous. Chien a bien couché sous vous. C'est un mauvais rêve que lié. Lorsque vous avez dormi, vous avez tout, c'est un esprit d'oppression que l'ennemi a lagué d'ailleurs. Ça veut dire qu'il faut vaincre l'esprit d'oppression, ça. Lorsque vous avez dormi, des chiens a bien miché autour de vous, a bien couché sous vous. Son esprit d'impureté que diable a lagué d'ailleurs. Son esprit d'immoralité sexuelle. Que l'ennemi a rangé col pour la guédéon. Donc faut qu'on s'allie et puis pour ranger col. Donc l'homme abdomi, imaginez chien qui s'allie. Nous pas me connaître. Chien de madame, chien de mari, non. Chien pas de madame, chien pas de mari. Depuis l'île là, il y a là, n'importe sa loi, mon nom monté, etc. etc. Donc yon chien. Yon chien son bec qui li symbolise impureté sexuelle, prostitution, etc. Regardez le livre du, c'est ça que fait le livre du Deutéronome. Regardez Deutéronome 23, verset 18. En nous lit ensemble, il dit qui ça? Tu n'apporteras point de la maison de l'Éternel, qui ça le dit? Le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Le mot chien, il signifie une prostituée mâle. Donc c'est ça qu'elle dit, tu n'apporteras pas le salaire d'une prostituée, cela veut dire au féminin, ou bien elle dit d'un chien, ou bien deux prostituées. Parce que des prostituées filles, des prostituées garçons. Au temps de la Bible, les prostituées garçons, ils étaient les chiens. Donc cela veut dire son esprit d'immoralité sexuelle que lié. Donc l'homme qui garde ou abdomi, et pour garder où est chien abîme autour de ou chien abîme niché. Ça veut dire ennemi a pris l'école pour la gueule vieille. Esprit d'immoralité sexuelle, adultère, fornication, pornographie, vie éteinte. Ça veut dire, sous ta vie chrétienne, et puis, ou gado ou abrévé chien, ça veut dire, sous tes négligents dans quelque bagaille, rangez pio. Sous tes négligents, rangez pio. Sous qu'on a prêté car dans quelque conversation, dans le téléphone, dans le travail, des vieux blagues sales, y a bail, et pour te qu'on a traîné dans la conversation, rangez quoi? Si tu es mon patron, elle a passé le gros, elle a frotté col sous. Rangez quoi? Parce que deux. Eh bien, Bishop, ça veut dire. Et qui message, qui conseille, ou te kabaye ak ti moun 2 millions? Jodia, qui seulement prêté sous TikTok. Et qui message? Ou ap voye bay moun évangélique la jodi a et ki pa getan pou yo prier et mi lagé yon esprit d'immoralité sexuelle même déclaré depuis c'est esprit chien, esprit impureté, esprit immoralité sexuelle. Yo pa jwenn aucun moun là au nom de Jésus. Yo pa jwenn personne ka tombe là au nom de Jésus. Allez fò sou dit tonne Dieu. Jésus pas te sauver pour mener vie chien. Jésus pas te sauver pour mener vie impure. Jésus pas te sauver pour m'attriver comme dans la rue. Jésus te sauver pour le sanctifier, pour laver, pour le purifier et puis pour le faire paraître clair dans le royaume de Dieu. Levez mon dit gloire. Et puis pendant ma prêcher à la peine, bon Dieu, tant de bon Dieu dit ça dans l'esprit, il y a un monde qui a tout le temps appelé des chiens, mais où on a habitude pornographie tout. Et puis bon Dieu a dit quoi ça? Quelque chose quand on est en train de bon Dieu a dit vieux rêve chien ou appelé des feuilles, il est connecté avec pornographie ou regarder dans le téléphone. Que bon Dieu libère ou assoie à quel que soit côté. Au nom de Jésus. Des gens qui ont dormi et puis qui ouais mouche qui autour de yo. Qui ouais mouche qui autour de yo. Lorsque vous avez dormi, ou est mouche autour de vous, c'est un vieux rêve lié. Esprit mouche. Est-ce que vous avez ça m'a dit là? Pas jouer, mais pas de esprit que vous chassez là, non? Esprit guet, esprit trop, esprit chien, esprit mouche.
gen moun ki gade kwe mouche ki autour de yo. Et dans Luc chapitre 11 verset 18, yo te même les pharisiens tirele Jésus Belzébul, mais qui réellement signifie roi des mouches. C'était un jouement yo te ba Jésus-Christ. Maintenant, mouche, qui ça le représente également? Well, posez question ça. Qui côté mouche aller? Dans la saleté, dans le patra, dans la viande pourrie. Tout côté de pourriture, tout côté de pourriture, ou gagne mouche qui la donne. Tout bagage qui a décomposé, ou gagne mouche qui la. Côté de mauvaise odeur, il n'y a pas fonctionné. Ça veut dire, l'on a dormi en tant que chrétien, ou gade ou mouche à pour de yon, mouche à bin poser sur vous, ça veut dire, et mi yon gros plan pour la vie, et mi plan de diable pour la vie, c'est pour le tawe la vous pourri. En tout cas, nous t'en frères et sœurs, Bishop Grégory Toussaint dit, si pas malin, n'a pas dormi, nous rêvons mouche. Nous sommes mouches à courir des haines, ennemis en un plan pour détruire la vie, pour le faire déchausser, pour le tuer. On dit en quelque sorte pour le détruire la vie. En tout cas, qui ça pour nous faire? L'en faire mouche là? Qui solution qui est pour lui? Qui exactement leur ont chien? Et n'endormi, cap niché ou, qui ça exactement pour faire, pour détourner rêve ça? Est-ce que la prière suffit? Là où est mouche envahi ou, là où est miel, là où est guêpe envahi ou, qui ça pour faire? Priez bon Dieu. Est-ce que exactement ça a suffi? Lis la Bible. Qui somme qui approprié pour ça? Qui prière qui approprié? Prière, pardon. Lis somme, pénitence. Là, nous besoin des orientations pour nous connaître exactement dans les circonstances ça yo, qui ça pour nous faire. Qui décision exactement qui approprié pour nous prendre face à mauvais rêve ça yo? Est-ce que c'est bien pour nous râler, bien dégager pour nous sembler pied nous? Qui décision pour nous prendre dans situation ça yo? L'on fait vieux rêve comme ça, c'est pour nous énerver. Vieux rêve ça yo. Toujours dit ça, c'est ton servant oui, qui te dit ça depuis là, ça me prend le son ça. Quelques rêves vous fait, même quand on fait rêve là, pas vous lever, vous dit rêve vini m'balo, rêve vini m'balo, et puis à la toilette là, ouvrez toilette là, et puis flash. Très bien, pasteur au Bishop Grégory Toussaint. Là, ou ben nous, en quelque sorte, bon, yon piste. Ou dit, il y a des rêves ou faits, finou fin fait yo, si il y a possibilité pour réveiller, ou à l'antikay, yon seul pot là, ou fel, ou flosh li. Qui sont fait avant ou flosh li, qui sont dit avant flosh li. Il y a moun qui t'a dit, pratique ça yo, c'est pratique, vodouison. C'est pratique, non croyant. Il y a l'autre monde qui t'a dit, c'est à genoux pour mettre, pour la prière, pour demander bon Dieu, pour effacer rêve ça yo pour vous. Qui ça bon? Est-ce que c'est mettre à genoux, prier bon Dieu, dire bon Dieu, effacer rêve là pour vous, ou sinon, vraiment, aller dans la toilette là, floche rêve là, et puis c'est fini. En tout cas, l'irrité, pour les gens qui peuvent commenter, dis-nous exactement qui pratique y approprié selon ça, Bishop Grégory Toussaint a parlé là.
et puis tu rêves, mais quand tu vas aller, ou pas que tu vas jamais marcher, ou pas que tu vas jamais réaliser, ou pas que tu vas jamais concrétiser, moi, qu'un seul ou moi, annulé dans les lieux célestes, la vie pas que tu vas jamais pourri, parce que mon gars marcher avec mon Dieu, malé de gloire en gloire, la vie pas que tu vas jamais pourri, parce que la Bible dit, le juste lit en couillon soleil levant, tant que ma avancé m'a plus clairé, au nom de Jésus de Nazareth, la vie pas que tu vas jamais pourri, parce que ma servi le, regardez l'étoile du matin, c'est le nom de Jésus. Est-ce que m'entendez ça, ma Dieu là? Levez mon petit gloire. Yes. Faut comprendre, parce que si vous ne pas comprendre, ou pas pas combattre. Est-ce que vous comprenez ça, ma Dieu? Hein? Si vous ne pas comprendre, ou pas combattre, ou pas penser son bagage qui est normal. Ou pas penser son petit rêve comme ça, comme ça. Donc faut camper contre au nom de Jésus de Nazareth. Hallelujah. 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 Gen moun ka dormi ki wè renard, n'est-ce pas? Renard et nan dormi. Renard nan dormi. La Bible parle de ça, n'est-ce pas? Nous déjà connaît youn nan bagay que nous ou déjà connaît youn nan bagay que renard est connecté avec ses ruses, n'est-ce pas? Que nous jouons dans Jean de la Fontaine. Mais la Bible allait un petit peu plus loin. Gardez dans Cantique chapitre 2 verset 15. Quoi c'est ça? An nou li ki sa li di? Prenez-nous les renards, les petits renards, et puis il dit qui ravage les vignes. Donc cela veut dire, le renard, c'est pas seulement un animal qui rusait, mais ruse, renard là, qui a ravagé la vigne. Il n'est pas seulement venu pour venir faire sous pain, prendre sous pain. Donc ça veut dire, l'organe où est renard, ça veut dire, et mis à la un esprit de ruse derrière. Mais ruse, ça qui job lui, c'est entrer pour l'entrée, tout doucement, dans l'estomac, ou tant pour yon ami, tant pour yon famille, tant pour yon moun qui remè, tant pour yon moun qui nan saïdou, et puis l'elfine entrer en dedans pour le ravager tout ça. L'or ou a dormi ou a plébé, rêvé, renard, c'est pour demander l'éternel pour le faire un examen de amis qu'on a autour de vous, moun qui dans le sein, moun qui dans l'estomac, c'est pour demander mon Dieu pour le faire un travail d'inspection. Est-ce que vous comprenez ça, m'a dit là? Si vous comprenez ça, m'a dit, dit gloire. Donc, renard, c'est bête qui rusé. Yo rusé. Mais en même temps, les labinil qui a vini dans zami, le labinil vini doucement. Mais les mordé, les attaqué, il a ravagé. Est-ce que l'église de ça m'a dit là? Aïe, aïe, aïe. Donc, si vous avez dormi, vous appelez les rêves, renard, c'est pour demander l'éternel. Révélez-moi qui m'a dit renard. Révélez-moi qui côté renard là. Ou qui côté renard là. Donc, là, bon Dieu commence à révéler des choses comme ça. Pour connaître ça le signifie, et puis on entrer dans la prière pour mon Dieu révéler au lit, il vient permettre que renard n'a pas d'entendre ravager. Est-ce que l'église comprend ça, ma dire là? En outil intelligence spirituelle. Bon, bon, quelques graines encore, bon, quelques graines encore avant de prier. Quelqu'un qui a dormi, grévé, scorpion, scorpion. Donc, esprit renard, soit esprit ruse, esprit scorpion. Nous connaît. Donc scorpion, c'est un engin que Satan le diable manifestait l'empire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Le abdomen mourait des scorpions, ça veut dire. Regardez dans Apocalypse chapitre 9, le verset 5. Apocalypse chapitre 9, le verset 5. En nous lit ensemble. Il dit que ça, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Douleur scorpion, c'est une douleur qui est plus terrible qui gagne. Ça veut dire, l'homme dans mon cadeau est scorpion derrière pour venir piquer. Ça veut dire, ennemi a lagué un esprit de calamité dans le corps. Ennemi a dit qu'on s'en pape. Il n'y a pas de le tuer, mais le bal ou a fait toute la vie ou tourmenté, toute la vie ou un problème, toute la vie ou un tête chargée. Ça veut dire, l'ordre dans mon cadeau, il y a un scorpion qui a pour d'ailleurs. Faut craser tête li. Faut craser tête li. Il dit, faut craser tête li. Mais la Bible dit qu'on s'en bat nous le pouvoir, alléluia, pour marcher sous scorpion et toute la puissance de l'ennemi. Me déclarer depuis cet esprit scorpion ennemi à la guerre, derrière des petits tout, c'est pour craser tête li au nom de Jésus. Sous recevoir le dit gloire. Sous recevoir le dit gloire. Sous recevoir le dit gloire.
Yes. Gen moun kap dormi ki wè rat avec souris derrière you, environné you, etc. Rat avec souris. Rat avec souris. C'est animal qui était côté fatraillé. Côté fatraillé. Et yon la yon détruit 1 Samuel chapitre 6 verset 4. On va prendre pour me lire tout verset avec moi, capable de mettre comme référence. Il était comme déchet. Le gagnon plaît qui te détruit Israël. Et puis la Bible dit quoi? Il qui te détruit les Philistins. Et puis les Philistins ont besoin de faire un sacrifice. Dans 1 Samuel 6, 4, la Bible dit quoi ça? Il te fait des rats en or. Et puis il te mettait dans l'arche là. Et puis pour te voyer back en Israël. Rat en or, la rat ça qui était en or, il te représente plaie qui t'a décimé pays. Donc rat avec souris, c'est bagage qui t'a détruit tout son gagné. Mais nous connaissons rat comment il est qui encore? Il a mangé tout bon jour là. Moi, pas je me sentir parce que c'est qui ça? Mon dessoufflé. Donc le rat des rats, ça c'est un animal destructeur. Rat tout, non seulement il détruit, mais il détruit jusqu'à ce que le réduit à rien. Rat tout c'est un animal qui connecté avec pauvreté. Il connecté avec pauvreté parce que c'est un animal qui était dans fatra. C'est un animal qui était dans déchet. Donc le rat doit appeler de dormir, rêver, rat. Ça veut dire ennemi est venu pour détruire la vie ou pour réduire la vie à rien, la vie ou à fatra. C'est ça qu'elle souvent connecté à pauvreté. Nous croyons témoigner ça plusieurs fois à l'église là. Même quoi elle vaut la peine pour me rebâler peut-être quelqu'un quelque monde qui va jamais entendre. Et nous dit qu'on s'est connecté avec pauvreté. Quel monde qui là au nom de Jésus de Nazareth, levez-moi dit gloire. Donc, des pasteurs, et puis, vous comprenez, Bible ouverte devant, et puis, le temps de voir l'esprit qui a dit comme ça. Tant que vous pouvez servir bon Dieu, puis bien. Tant que vous comprenez, vous avez dit, pour l'île, pensez le Saint-Esprit qui a parlé, puis sur l'esprit de pauvreté qui a parlé. L'esprit a dit, est-ce que pasteur qu'on a acheté calme? Ça veut dire l'esprit de pauvreté qui vient bloquer. Et puis, l'un prononce ces paroles-là, et puis, bagala volé. Gagé, 3 jours, it's done. On déclare tout vieux esprit de pauvreté qui marie. C'est pour l'éternel, craser devant au nom de Jésus. Tandis, m'a terminé pour nous prier. Grappille l'autre. En pile fois, moun yo pas ka déceler qui ça qui pauvreté a et qui côté pauvreté a sorti. Des fois, moun a peut-être gen en pile l'argent et li pauvre d'esprit, li pauvre nan pensée, li pauvre nan attitude, li pauvre dans comportement. Moun nan gen doit pauvre mais li riche d'esprit, li riche moralement, li riche nan sagesse li. Aga mwen te kapab di ou grand pile l'autre bagage bam ajouter yon seul grain l'autre encore mais tout ça m'pa couvri yon nou kapab joindre dans livre là. Gen moun k'ap dormi ki wè gros oiseau, ki wè oiseau a vin poser sous tête tout. L'oiseau soiseau a vin poser sous tête tout. Que c'est aigle, que c'est mal fini, que c'est quel que soit type de oiseau, son mauvais rêve que lié. Ça que fait ça, regardez Matthieu chapitre 24 verset 28. Matthieu chapitre 24 verset 28. On nous lit ensemble. Regarde qui ça Jésus dit. Il dit et en quelque lieu que ce soit le cadavre, ça semblera. En quelque lieu que ce soit le cadavre, ça semblera qui ça? Les aigles. Donc cela veut dire l'eau a dormi ou gardé les oiseaux a bien posé sous tête tout son esprit de mort que lié. Oiseau ça représente un esprit de mort parce que eh bien oiseaux aigle mal fini c'est sous cadavre que lié. C'est ça que fait le Joseph et nègre a fait et songe là t'es une qui te ouais t'as servi quoi gros l'autre qui te ouais oiseau posé sous tes pieds ça oiseau posé sous tes pieds Joseph te dit ou bal perdu la vie ou bal perdu tes tout parce que oiseau vient poser là il posé sous cadavre sous esprit de mort. Bon, en tout cas nous espérons tout chrétien yo, tout monde qui a chance tomber sous émission ça partager pour que en pile monde kawel et surtout c'est sûr que nous connaissons les sous canal
Shekina a tout, peut-être li ka loin, mais c'est bien pour nous connaître genre de bagay sa yo. Et yo très bon pour nous pour orienter nous spirituellement et pour nous gagner connaissance de cause. En pile fois, nous fait songe, nous fait rêve, mais nous pas connait signification exactement. N'aller peut-être yon l'autre côté qui pas bail vraie signification yo. Et ou rete sans ou pas connait qui ça pour faire. Nous seulement qu'a prier l'en faire rêve, soit bon ou mauvais. Mais il y a l'autre bagay qui accompagne rêve nous te ka fait. Donc l'homme on a dormi pour garder ouais oiseau a une pensée sous tout, ça veut dire son esprit de mort, son expédition de mort que diable a volé d'elle. Mais moi déclarer la soir au nom de Jésus, tout le monde oiseau a poursuivre, tout le monde oiseau a une camper sous tête au nom de Jésus. Tout le monde qui esprit de mort pas poursuivre, nous déclarer le prince de la vie, le prince de la vie, le prince de la vie, il là au nom de Jésus. Tout esprit oiseau, esprit mal fini au nom de Jésus, esprit de mort, moi commande tombez, levez-moi là, dites tombez. Dites tombez. Dites tombez. Dites tombez. Dites tombez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Si ma plaie de faire mauvais rêve, comment qui ça pour me faire? Pour me capable bien. Voilà. Ça, c'est question fondamentale. Tout le monde a supposé tendre. Si wap pep, si wap plebe, fè mauvais rêve, qui ça vous fait? Souvent rêve ou fait exactement qui attitude ou doit gagner, qui comportement ou doit prendre, parce que qui rêve qui méritait, qui mandé, c'est prier pour prier. Qui rêve li mandé, c'est une autre attitude pour prendre. C'est un bagage pour faire. C'est bien pour bien, c'est bon, on fond bagaille quand même. Parce que, on n'est pas simple. Tout bagaille, c'est mystique. Tout bagaille, c'est magique. Il peut aller dépendre de conception de gens pour concevoir savoir-faire et à qui est-ce pour adresser savoir-faire. La victoire sur rêve, ça y est. Trois conseils, ma barre pour terminer. Numéro un, sois plein de faire mauvais rêve. Ou ap rêver mal fini qui a bien posé sous tête. Ou ap rêver rat qui a couru d'ailleurs esprit de pauvreté. Ou garde un mouche qui entoure. Ou ap garde esprit chien qui autour de vous. Ou ap garde renard qui autour de vous. Ou que toute qualité de vie rêve ça ou ap fait. Premier bagage ou besoin fait. En tant que chrétien, premièrement, sous pas converti ou besoin converti. Est-ce pas avec moi? Parce que voilà, ça, de façon intelligente, pasteur la bishop l'a fait un appel, il dit exactement. Premier bagaille pour besoin faire sous pour convertir, pour convertir, pour joindre Jésus-Christ. Tout le monde qui a bon protection de Jésus de Nazareth. Maintenant, sous convertir déjà, ou convertir déjà, premier bagaille ou bal besoin faire, ou bal besoin développer une vie de prière. Ou bal... Très bien. Développer une vie de prière pour gagner potentiel saurélé. Intelligence spirituelle pour qu'à développer intelligence spirituelle. Est-ce que exactement on a besoin mener une vie de prière là-bas ou capacité là-bas la capacité ou pour gagner intelligence spirituelle là? En tout cas, c'est plus gros conseil, Bishop Grégory Toussaint Teka. Bye. Une vie de prière, une vie de consécration, sous pas gagner une vie de dévotion dans la présence de Dieu chaque matin, quand on levé, ou à passer temps dans la prière, dans la présence de Dieu, ou bien besoin de développer habitude ça. Ça fait nous ça, parce que Psaume 91, verset 1er, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est l'or en bas, l'ombre du Tout-Puissant qui ça le représentait, il représentait la présence de Dieu. L'heure
ou en dedans bon Dieu. La Bible dit comme ça, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, ça veut dire ou fourrez corps en bas, ventre bon Dieu. Est-ce qu'on a laissé dire là? Les diables campent contre nous-mêmes, les bâtards campent contre nous-mêmes, les renards campent contre nous-mêmes, les serpents campent contre nous-mêmes, les esprits mal finis campent contre nous. La Bible dit comme ça, al fourrez en dedans bon Dieu, al fourrez dans la prière, cherchez côté la prière, cherchez côté le jeûne, cherchez côté la parole, make sure que ou toujours environné de la présence de Dieu. L'environné de la présence de Dieu, qui ça le fait? La Bible dit, l'Éternel dit, c'est dans le livre de Sophonie, il dit, je serai une muraille de feu autour de Jérusalem. Il dit, je serai une muraille de feu. Ça veut dire, l'on fourré au homme de mon Dieu, les diables viennent chercher, ils joignent une muraille de feu qui est autour de vous. Les bâtards viennent chercher, ils joignent nous homme du feu. Est-ce qu'on va laisser dire? C'est du feu, joindre. Les renards viennent chercher, ils joignent du feu. Les lions viennent chercher, ils joignent du feu. Est-ce qu'on va laisser ma dire? Les malfinis viennent chercher, ils joignent du feu. Parce qu'on cache en dans l'Éternel. Sous d'accord, ça me dit, dit gloire. Deuxième bagage qu'on a besoin de faire. Vous besoin de fourrer en dans mon Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, fourrer en bas zèle l'Éternel, la présence de mon Dieu. Et on fait ça à travers la prière, le jeûne. Marcher constamment dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église est samedi? Hein? L'or a mené la guerre spirituelle, c'est pas. Alors, lundi, marcher constamment dans la présence de Dieu. Ça signifie qui ça? Constamment. De façon constante de la présence de Dieu. Li pas signifie à l'église. Li pas signifie persévérer dans un endroit quelconque. Marcher constamment de la présence de Dieu. Alors, li signifie garder, mener une vie de sainteté devant mon Dieu. Les partis à tel côté, entrer dans telle religion. Non. S'arrêter, marcher, conduire, suivant parole, bon Dieu, principe, bon Dieu, principe Jésus-Christ. Ça, les supposés, mettez point sous lit, fait un point à clé pour nous comprendre, marcher constamment dans la présence de Dieu. Qui ça exactement lui signifie? Il pas signifie marcher, persévérer dans un endroit quelconque, un endroit physique, mais lui dit pratiquer la parole de Dieu. C'est ça, marcher constamment signifie. Pour marcher constamment dans la présence de Dieu. L'on va marcher pendant la journée, chantons chant. C'est pour toujours sentir présence de Dieu enveloppée. C'est pour toujours sentir présence, mon Dieu, environné. L'on va marcher dans la marche dans la présence. L'on va travailler dans la présence. L'on va dormir, dans la présence. L'on va mener combat spirituel, des tempêtes ou pas garder avant de dormir. Des bagages négatifs ou pas garder avant de dormir. Des vieilles mauvaises nouvelles ou pas prendre pendant avant de dormir. L'on va dormir ou dormir dans la présence. Et puis les diables d'avenir, ils jouent une présence envahie. Tant qu'il y a une muraille de feu, levez-moi, dis gloire. Deuxième conseil ou besoin appliquer. Make sure que vous menez une vie qui pure, qui plaît devant mon Dieu. Make sure que vous menez une vie qui droite. Dans Jean chapitre 14, nous que le verset 30, il dit le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. L'on va mener la guerre spirituelle, c'est pour make sure que diable a pas gagné rien à faire la caillou. Ou pas qu'à dire yon nom, mettez le dehors si a fait nan caillou. C'est pas ça? Gen moun ki kon achete, machine ici. Et puis l'achete machine nan, et puis machine nan parke nan garage li. Et puis pendant la dormi, l'elvini li leve, li gade loué yon entre en de garage la yon pren. Ou pas qu'à dire le pas entre nan garage la, parce que depuis machine nan pou compagnie, hein? Ligue doit entrer dans le garage. Est-ce qu'on a même? Des gens qui ont des meubles. Et puis là, ils sont sortis, ils ont gardé une compagnie de meubles là. En train de caille là. Ils viennent prendre meubles là. Ou pas qu'à dire qu'ils étaient dehors si ils ont fait l'homme de caillou. Donc cela veut dire, ou pas qu'à dire Satan pour ne pas vivre dans la vie. Si vol, mensonge, hypocrisie, adultère, fornication, pour
pornographie, trompelle, et puis tout bagaille dans la vie, et puis wap dit rete de yon. Est-ce qu'on t'a dit ça m'a dit là? Là wap mené combat spirituel, c'est pour la vous droite. N'importe si bagaille ou fait qui parle en volonté, mon Dieu, mets-toi à genoux, dis Seigneur, mando pardon. Ça m'a dit, c'est ton menti que le teye. Moi t'es exagéré, moi mando pardon pour ça. Si m'a pour me corriger devant mon nom, me corriger devant mon nom. Mais m'a pas quitter pour diable là, qui accède dans la vie. Ma. Vive dans la présence de Dieu, mène yon vie qui pure. Maintenant, mes derniers secrets, ma ou. L'offre vive dans la présence de Dieu. Et pour mener yon vie qui pure, qu'on y a mais qui soit besoin fait. L'or gagné, serpent qui a attaqué, l'or gagné, renard qui a attaqué, l'or gagné, mal fini qui a attaqué, l'or gagné, rat qui a attaqué, moins gagné, moins connaît yon animal. Yon même yon relèl, le roi de la forêt. Quel que soit animal ou yèg, monsieur pas peur. Parce que monsieur tellement méchant, c'est ça qui fait yon relèl le roi. Éléphant pas fait le paix, caïman pas fait le paix. Est-ce qu'on a dit ça, m'a dit là? Renard pas fait le paix. Nous t'en ça, m'a dit là. Alléluia. Rat pas fait le paix. Toro pas fait le paix. Monsieur tellement terrible. Est-ce que t'as dit ça, m'a dit là? Les monsieur a volé. Il est capable de voler jusqu'à 30 pieds de hauteur. Les monsieur a couru. Il est capable de courir plus rapide par son machine. Il est capable de courir. Alléluia. 60 000 à l'heure. Les monsieur a grondé. Il est capable de camper là et puis le gronder. Et puis tout nani five tende. Parce que le ka gronde et puis voile. Ou ka ma tende le five mal so way. Yore le monsieur le lion. Yore le monsieur le lion. Et puis m'tende Jésus m'a servi. M'tende yore le la rose de Saron. M'tende yore le lili de la vallée. Et puis m'tende yore le lion de la tribu de Judas. Ça veut dire l'homme a mené combat spirituel depuis qu'on est la vie ou droite, depuis qu'on est en bas, l'ombre du tout puissant, quel que soit sa attaque là, pendant soudain en cabane, ou on est le lion de Judas. Ou dit le lion de Judas. Ou dit le lion de Judas. C'est pas paré devant qui sortit. Ou n'a pas devant qui sortit. Bœuf paraît devant qui sortit. Scorpion paraît devant qui sortit. Mal fini paraît devant qui sortit. Paraît devant qui sortit. Lion de la tribu de Judas. C'est pour lion de la tribu de Judas, attaquez-vous. C'est pour lion de la tribu de Judas, attaquez-vous. C'est pour lion de la tribu. Merci, Bishop Grégory Toussaint, qui t'a prodigué quelques conseils à nous qui comportement. Nous devons gagner qui aptitude nous devons prendre lorsque nous en face une série de situations nous dormi les nouer rat serpent mouche chien taureau vin attaquer nous et surtout mouche surtout rat qui c'est symbole de pauvreté. Les nouveaux oiseaux, aigle mal fini, qui c'est symbole moun qui pral mourir, attaquez nous, qui attitude exactement pour nous prendre. L'été conseillez nous dans quelques situations, qui ça exactement pour nous faire. Mais Bishop là surtout dans final, lui dit nous. Meilleure solution, c'est mener une vie de sainteté à l'Éternel, marcher constamment dans la présence de Dieu. L'intelligence spirituelle, c'est tout ça. Un chrétien, pour ne pas dire, un monde qui vit, a besoin pour mieux gérer la vie. En quelque sorte, c'est résumé. Prédication ça, c'est gagner, mener une vie d'intelligence spirituelle. La question, c'est comment gagner intelligence spirituelle. Qui côté nous cajouine intelligence spirituelle là? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est mettre à genoux, prier bon Dieu? Est-ce que c'est aller jeûnant, faire 6 pour 6, faire 40 jours à prier bon Dieu? Est-ce que c'est à danser, faire l'orange, adorer bon Dieu, chanter non? Est-ce que c'est un bon comportement? Comment
exactement gagner intelligence spirituelle. Une Bible par cœur, c'est ça. N'a pas cherché à comprendre pour ne pas percer les mystères. Il y a une grande différence entre religion et spiritualité, entre religieux et spiritualiste. Comment nous avons un monde qui est très spirituel, comment nous avons un monde qui est très religieux et qui utilise deux comportements sérieux. Merci à tout le monde qui peut partager le contenu ça, parce que c'est un contenu qui est très riche et qui peut les gens qui font rêve ont une autre attitude par rapport à la grève ou à faire. En pile fois, on n'a pas une définition. En pile fois tout, on contacte un mauvais monde qui n'a pas eu explication. Et exactement rêve ou faire qui direction ou t'as supposé prendre soit avec la vie soit avec vie ou à mener. Merci encore à Bishop Grégory Toussaint et l'équipe qui t'ai préparé l'éducation ça. Et merci à tout le monde. Merci encore. Merci toujours. Vision en action.